Europe 1, 8 à moins 5. Et voici les humeurs de Jérôme Commandeur. Bonjour mon cher Jérôme. Bonjour à tous. Vos humeurs intégralement consacrées au voyage de François Hollande à Dijon. En effet, voyage présidentiel de 48 heures. Alors l'élu local du même bord que le président est toujours heureux de le recevoir. On imagine l'appel d'un conseiller de l'Élysée au maire de Dijon il y a quelques semaines pour le prévenir. Alors le mec est pour rien, il a juste chopé l'info dans un couloir au palais, mais il se fait mousser auprès de François Rebsamen, le maire de Dijon. On sait jamais qu'un jour l'autre devienne ministre sur un malentendu. Fifi, c'est Jean-Michel à l'Élysée. Aujourd'hui, c'est ton jour de chance, Fifi. Tu peux emmener maman au bistrot romain ce soir. Barba papa vient te voir à Dijon. Oh, c'est pas vrai. Oh, que je suis... Il vient me voir. Ah, j'ai bien bossé, mon Fifi. Mais tu vois, à force d'acharnement, on y arrive toujours. Oh, c'est génial. Oh, il vient pourquoi? Comment ça, il vient pourquoi? Oh zut, j'avais pas prévu celle-là. Bah si vous voulez, nous à Dijon, à la préfecture, on a le lit où a dormi De Gaulle. Non, non, on va pas lui faire 400 bornes pour lui tester un lit. C'est pas un inspecteur qualité de chez Dunlopilo, là. C'est... Bon, je te rappelle, Fifi, on n'ira pas plus haut. Donc là, on suppose que le conseiller de l'Élysée, très embêté, s'est retourné vers son stagiaire de Sciences Po. Bastien, toi qui es jeune, trouve-moi des trucs qui font l'actu, là. On va faire du breaking news, là, comme disent les chaînes info. On fout les journalistes dans un train, on leur fait filmer le président. Moi, je lui glisse à l'oreille une info et on fait commenter l'info à chaud. Comme ça, on oublie le voyage. Et là, il y a quoi en ce moment? Bah là, il y a un buzz incroyable sur le net. C'est Nabila, de l'émission des anges de la télé-réalité sur NRJ 12, qui dit « Non mais allô, t'as pas de shampoing ». Ça, c'est vrai en plus. Non mais attends, c'est le président de la République. Je vais pas aller l'interrompre dans son voyage pour lui dire « Non mais allô, t'as pas de shampoing ». C'est pas Loana le mec, faut arrêter les conneries. Des morts, y'a qui comme mort? Donne-moi un mort frais. Bah là, y'a Georgette Plana, la chanteuse de Rikita, petite fleur de Java, qui est morte hier à 95 ans. Non mais tu te fous de ma gueule? Tu t'occupais des soirées déguisées à Sciences Po toi ou quoi? Donc si quelqu'un sait pourquoi le président est venu à Dijon, qu'il appelle tout de suite le 39-21, vous gagnez une prévision météo gratuite quotidienne de Laurent Cabrol d'un an pour vous et toute votre famille. Merci beaucoup Jérôme Commandeur.